Et Fesnos, c'est la grand-mère aussi. Bien sûr, Fesnos, c'est la grand-mère. La deuxième mère gagnante du fin, de la finale du challenge de l'Ouest des AQPS à Nantes. Et surtout, surtout, on va essayer d'écarter un petit peu la mer, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, Fesnos, surtout, surtout, c'était une très bonne jument de course, trois victoires, mais surtout, elle est devenue une remarquable poulinière. Elle a donné naissance ainsi à Sulon, gagnant du Grand Cross de Pont, on peut marcher, et du prix René Coutil à Auteuil. Un cheval qui a gagné à Auteuil à deux, trois reprises et qui a gagné après en cross à Corlay, le Grand Cross de Corlay, et à Pau, le Grand Cross de Pau, l'East Race. Également, Fesnos est la mère de Ola du Sulon, qui est son aîné, qui a gagné, lui, à Auteuil à trois reprises, le prix Xavier de Chevigny, Côte-Gaulois et Varaville. Et c'est un fils ici de Alberto Giacometti qui nous est présenté par Philippe Garin. Here we have a foal colt born on the 23rd of April by Alberto Giacometti. But more important, Dame Tréfine du Sulon is a young mare, sister of two very good jumpers. I talk about Ola du Sulon, four-time winner, including three times at Auteuil. On va aller au trot maintenant. And Sulon, who won three times in Auteuil and who won the Grand Cross de Pau. I know, dear friend, English and Irish, that you like Pau. For the winter time, the casino, the races, the Jurançon, the foie gras, and also the races. And you have seen maybe last year, this 2 years ago, this Sulon, the uncle of this colt, winning the Grand Cross Country. Ah ben, il saute aussi là sur sa mère. And Alberto Giacometti, qui va vite.